Bienvenue à toi dans cette vidéo. Très souvent, les gens se posent la question de savoir quel est le meilleur outil pour monter un business en ligne. Et les gens pensent que c'est plutôt compliqué de le faire. On ne sait pas comment faire, comment commencer à générer de l'argent en ligne, quels outils utiliser tout simplement. Et il y en a un qui regroupe tous les outils qui sont utiles à cela. Et c'est le but de cette vidéo-là. Ça s'appelle System.io. Je vais te présenter cet outil-là. Tu vas voir, c'est très très puissant. Tu peux tout faire avec. C'est vraiment le couteau suisse. Si tu utilises d'autres outils, tu verras qu'il faut toujours le compléter. Un outil pour effectivement d'autorépondeur. Un autre outil pour effectivement faire autre chose. Il y a toujours plein d'outils qu'il faut compiler les uns les autres. Alors que là, tu as vraiment un outil tout en un qui va te permettre de monter ton business en ligne de A à Z. Donc, ça s'appelle System.io. Tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que je t'invite à aller donc dans n'importe quelle de mes vidéos et tu vas cliquer sur le lien, un lien qui va te permettre donc d'avoir accès directement à System.io et tu vas pouvoir le tester gratuitement. Donc voilà, donc là, je suis dans une de mes descriptions hein, sur l'une de mes dernières vidéos. Donc là, tu vois, tu as différents liens très très utiles, notamment en crypto, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de te présenter l'outil System.io. Donc, c'est ici, tu vois, monte un business en ligne complet de A à Z. Donc, je t'invite à cliquer dessus directement. On clique. Et donc, tu vas arriver sur cet écran directement. Donc, tu vois, tu peux commencer gratuitement et tu vas avoir même pas besoin de carte bancaire. Tu vois, ici, tu entres directement ton adresse mail et tu commences à créer ton compte et à commencer à créer ton business en ligne. C'est possible dès maintenant, donc fais-le. Donc là, tu vois, j'ai rentré une adresse mail test. Hein, je crée directement un compte pour te montrer effectivement en démonstration comment ça fonctionne. Donc j'ai rentré un mail test. Donc tu vois, vous y êtes presque. Donc là, tu vas valider directement ton mail. Donc dans ta boîte mail, tu vois, tu as reçu effectivement un mail de system.io. Et directement, tu cliques dessus pour confirmer ça. Et donc là, maintenant, tu vas définir un mot de passe. Tu cliques sur tu n'es pas un robot, à moins que tu sois un robot, mais tu cliques dessus et voilà, tu arrives directement sur le tableau de bord. T'as vu, c'est extrêmement rapide, pas besoin de rentrer de carte bancaire ou autre, c'est extrêmement rapide. Tu arrives directement dessus, donc là effectivement il y a zéro contact et autres. C'est un nouveau compte que je viens de créer en live devant toi et tu vois tout de suite comment ça se présente, c'est très très clair. Les nouveaux contacts, donc quand tu vas commencer à effectivement collecter des emails, donc tu vas avoir des nouveaux contacts ici. Ici, tu auras le nombre de ventes totales que tu auras fait. Donc, si tu as un domaine d'expertise, effectivement, je te conseille de créer une formation. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Sur cette chaîne, on est sur le domaine de la finance, des investissements. Mais tu peux être très bien intéressé par autre chose. Si tu as un intérêt pour les chiens et les chats et que tu sais comment dresser les chiens et les chats, tu peux créer une formation par rapport à ça. Et donc, System.io te permet de vendre tout et n'importe quoi en termes de services, de coaching ou de formation en ligne par exemple. Donc là tu peux regarder par exemple il y a différents onglets, ok, et donc on va regarder dans changer mon abonnement. Ici tu vois directement les différents plans possibles. Le premier plan c'est le plan gratuit, c'est celui sur lequel tu es. Tu as droit de générer 2000 contacts, tu as trois tunnels de vente que tu peux créer au maximum, et ça va être très très simple hein, les tunnels de vente et tout. Je vais t'expliquer ça simplement dans cette vidéo là, tu vas tout comprendre dans ce tuto là. Tu peux créer un blog, un site membre. Un site membre, ce sont les formations. Donc ici, tu peux créer une formation, les règles d'automatisation et autres. Donc là, tu peux regarder, effectivement, tu n'auras pas besoin de tout utiliser. Mais voilà, je vais revenir un petit peu au cours de ce tutoriel et ça va être beaucoup plus clair pour toi si tu n'es pas du tout dans le domaine du business en ligne. Donc ensuite, tu as les plans payants. Donc là, ça commence vraiment à devenir intéressant. D'accord? Quand tu commences à vouloir construire quelque chose de sérieux sur du long terme, je te conseille de basculer directement sur le plan à 27 euros par mois. Bien sûr, pas depuis le début, d'accord? Si effectivement tu sais déjà ce que tu veux créer, si tu sais déjà qu'effectivement tu veux créer quelque chose de solide, tu as déjà une idée de produit en tête à créer, un service, du coaching ou bien une formation en ligne sur un de tes domaines d'expertise, tu peux aller directement là-dessus. Sinon, je te conseille de rester sur ce plan gratuit pour commencer. Ça va être suffisant pour débuter, mais tu vas voir que tu vas vite être limité en termes de tunnel de vente et surtout si tu veux commencer à créer plusieurs formations qui vont vraiment te rapporter beaucoup en complément de ton activité principale. Donc ça sera pour plus tard. Ou même si tu souhaites commencer dès maintenant, tu peux. Hein. Donc là, tu vas vraiment t'offrir différentes possibilités. Ensuite, donc on était tout au début, donc c'était le tableau de bord.
Ici, tableau de bord affilié, effectivement, ça te permet même de faire de l'affiliation. Donc, effectivement, toi, par exemple, si tu ouvres un compte donc, chez Système.io, donc comme je viens de le faire, tu as la possibilité de toucher 40% de commission à vie. Donc, tu as ici ton lien affilié, le lien affilié que tu vas partager à tes contacts ou à d'autres personnes de ton entourage. Et si ces personnes-là ouvrent un compte chez System.io et prennent effectivement un plan payant, tu vas toucher une partie à chaque fois de ces cotisations-là de manière récurrente chaque mois. Donc tu vois, c'est un gros, gros, gros avantage pour te générer des revenus passifs. Donc, et ça, c'est l'un des outils les plus efficaces pour le faire. Et tu as vu que le taux de rétribution est énorme, 40% de commission à vie. Donc je t'invite vraiment à le faire. Tu ne perds rien et vraiment, c'est vraiment extrêmement puissant. Ensuite, tu as la marketplace. La marketplace ici, c'est tout simplement les différentes formations en ligne qu'ont créées les personnes qui sont inscrites sur System.io. Donc tu vois, il y a des personnes qui sont spécialisées sur tel ou tel domaine de compétences. Et ben ces personnes-là vont créer une formation, vont la mettre dans System.io et vont l'ajouter sur la marketplace. Quand tu la mets sur la marketplace, ça permet de donner la visibilité à toutes les personnes inscrites sur System.io. De voir ce que contient le programme. D'accord? Donc tu peux regarder, tu vois, tu as les différents programmes de formation ici. Par exemple, ici, formation ma boîte, ma marque. Hein. Par exemple, tu cliques dessus. J'ai pas regardé. Donc, lui, c'est lui le créateur de la formation. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est directement jusqu'à 25% de commission. Et ici, tu peux promouvoir l'offre. Donc, ici, tu as le détail de la formation. Et on t'explique ici ce que tu vas toucher à chaque fois qu'une personne achète via ton lien affilié. D'accord? Ici, tu vas avoir un lien affilié à chaque fois. Et tu vas toucher quasiment 50 euros par vente. Donc tu vois que ça peut aller très très vite. Si pour toi c'est une formation qui peut être intéressante, je t'invite toujours alors à tester la formation avant de le proposer à ta communauté ou à d'autres personnes de contact. Il faut proposer quelque chose de qualité. Si tu proposes quelque chose qui n'est pas de qualité ou que tu n'as pas testé et que tu as des retours négatifs, tu ne vas pas faire long feu sur ton business en ligne. D'accord? Il faut toujours proposer quelque chose de qualité. Et pour t'en assurer, bah, je te conseille de tester avant. Rien ne t'empêche d'acheter la formation, de la tester. Et si ça te convient, effectivement, si ça te plaît, si ça t'a vraiment apporté quelque chose, tu en fais la promotion. Et puis si ça ne t'a rien apporté, tu auras toujours, voilà, vu effectivement, appris quelque chose. Je pense que tu peux toujours en retirer quelque chose dans tes formations que tu achètes. Voilà. Et si effectivement ça s'avère que c'est une formation excellente, et bah, tu as développé tes compétences en plus dans ce domaine-là. Tu vois, donc ça, c'est un gros, gros plus. Tu as un programme d'affiliation directement. Tu peux faire la promotion en parallèle de ton business en ligne. Tu peux générer des commissions d'affiliation et c'est extrêmement puissant. Ensuite, tu as les contacts ici. Donc, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de contact. Hein, c'est un nouveau compte que j'ai créé devant toi. Et ici, effectivement, tous les contacts que tu auras via les pages de capture que tu créeras, ça viendra directement ici. Dans Gérer les tags, tu peux créer des tags. Par exemple, effectivement, si tu veux créer une page de capture pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Si tu offres par exemple un e-book, tu peux créer un tag ici, d'accord? Donc tu tapes n'importe quoi, hein, tu tapes par exemple le nom du tag, par exemple voilà, e-book, d'accord? Donc ça correspondra à toutes les personnes qui se sont inscrites à ta liste email via l'e-book que tu leur envoies. Donc tu vois, ça crée un tag e-book. Donc là, toutes les personnes qui vont s'inscrire sur le lien que tu vas mettre, ils vont apparaître ici, dans ce tag-là. D'accord? Et je vais t'expliquer sur le tunnel de vente, ça va être plus simple. Alors un tunnel de vente, c'est très très simple. Si tu ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est justement? Un tunnel de vente, c'est une page ou une série de pages qui vont amener ton prospect vers l'achat d'un produit. Donc imagine qu'il y a quelque chose comme un entonnoir. D'accord, ça va partir du plus large et plus on va descendre, plus ça va devenir précis. Pour faire simple, on va créer un tunnel de vente pour que tu puisses regarder. Donc tu vas créer un tunnel de vente, tu vois, c'est très très simple. Qu'est-ce que tu cherches à faire ici? Donc nom du tunnel de vente, tu peux mettre n'importe quoi, par exemple sur le dressage des chiens, par exemple. Donc voilà, une fois que tu as tapé dressage de chien, qu'est-ce que tu cherches à faire? Soit construire ton audience, soit effectivement vendre tes produits, soit un tunnel. Donc là, effectivement, si tu veux construire ton audience, c'est que tu veux faire grossir ta liste email. Donc tu vas cliquer dessus, par exemple. Ça, c'est la devise. Tu n'y touches pas. Tu fais créer. Là, tu as créé un tunnel de vente. Donc tu vois, là, tu as une page de capture qui s'est mise automatiquement. Tu vois, c'est ça que j'adore avec System.io. C'est que tout est mâché. En fait, le travail est mâché. Tu n'as pas à tout créer toi-même. En fait, c'est déjà créé. C'est pré-créé, en fait, tu vois. Donc là, tu as une page de capture. Tu vois, par exemple, c'est la page sur laquelle la personne qui va voir la page, donc prospect, va entrer son mail
pour avoir quelque chose. Donc si toi tu souhaites par exemple offrir un e-book, et bah, tu vas dire par exemple sur cette page-là que tu offres un e-book, d'accord? Et la personne, si ça lui intéresse, bah, la personne va rentrer son mail. Et c'est comme ça que tu vas collecter son mail. En collectant son mail, tu vas faire grossir ta base de contact pour pouvoir leur proposer des choses cohérentes plus tard, hein, toujours par rapport au domaine. Hein, si la personne s'est inscrite pour un e-book sur le dressage des chiens, tu ne vas pas lui proposer une formation sur le yoga, par exemple. Quoique cette personne puisse être intéressée, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but, d'accord? J'espère que tu me suis jusqu'à présent. Donc on va prendre par exemple une page de capture. Tu vois, c'est déjà pré-créé, franchement c'est beau quoi, d'accord? C'est beau, franchement c'est. Tout est déjà fait, hein. Tout est fait pour que tu puisses optimiser au maximum la prise de contact. Donc on va prendre une page au hasard. On va prendre. Tu vois, celui-là, pour faire simple, d'accord? On va sélectionner celui-là au hasard. Ok. Donc ici, donc ça c'est pour enregistrer ou autre. Ça c'est le lien, d'accord? Ça c'est le lien. Donc toi, si tu veux, tu peux modifier le nom du lien. Donc là, tu veux mettre par exemple page de capture. Non, page capture, allez, page capture, d'accord? Je viens à, voilà, page capture. Tu enregistres, voilà. Donc ça va être le lien vers la page de capture. Ça c'est pour voir la page de capture, tu vois. Ça c'est pour voir. Donc là, tu vois, on n'a rien modifié. Donc ça va être la page de base, tu vois. Déjà, c'est déjà bien fait, tu vois. C'est pas mal. Donc là, on va fermer. Et là, ce qu'on veut faire, c'est modifier. Donc là, on va modifier la page de capture. Donc là, tu vois, c'est très très simple. Si tu veux modifier des choses, modifier du texte, tu cliques dessus et tu modifies. C'est très très simple. La meilleure méthode, si tu veux, tu rajoutes des choses. Tu rajoutes des choses, tu vois, tu rajoutes n'importe quoi. Tac. Si tu veux, tu changes de couleur. La meilleure méthode, donc ça, c'est en vert. Tu cliques ici, tu mets en rouge, en orange, tu vois, tout est modifiable, tout est fait pour que tu puisses réussir. D'accord? Tac, si tu veux le mettre en italique, tu cliques ici, voilà. Le souligner, tu cliques sur le U, voilà. Tout est simple, tout est simplifié au maximum. Donc là, par exemple, le livre, donc là, effectivement, tu vas créer une image et tu vas remplacer cette image-là par ton image. Donc pour ça, tu cliques directement sur le petit engrenage, tu vois. Quand tu te déplaces ici, ça devient orange, tu vois. Ça devient orange et tu cliques sur le petit engrenage ici et tu as juste à modifier l'image qui est ici, tu vois. Tu cliques ici, tu télécharges ton image et tu la mets directement ici. Ça va directement remplacer ce livre-là par ton image. L'image qui correspond à l'e-book, par exemple. D'accord? Donc tu vois, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ici, tu cliques ici. Si tu as envie de laisser mon prénom, votre prénom ici, bah, tu laisses. Sinon, tu modifies juste à gauche. Tu vois? Tu peux modifier, tu dis votre nom de famille, par exemple. Tac. Et là, ça modifie, tu vois, mon autre nom de famille. Bien sûr, il faut laisser prénom, d'accord? Mais c'est juste pour te montrer qu'on peut vraiment tout modifier. Tu cliques sur le bouton ici, le bouton vert, pareil, tu peux tout modifier. Donc, tu vois, tout est paramétrable, tout est fait pour que tu puisses réussir. Télécharger votre livre gratuit maintenant. Ici, tu peux mettre, voilà. Voilà, par exemple, d'accord, tu peux mettre quelque chose comme ça. Tu peux même rajouter en bas des tirets. Tu mets exactement ce qu'il y aura dans le e-book, etc. Ce qu'ils vont trouver. Bien sûr, il faut que tu fasses quelque chose de qualité quand même, d'accord. Ça va être quelque chose que tu vas donner gratuitement aux personnes qui vont s'y inscrire pour que les personnes voient effectivement tes compétences, ce que tu peux leur apporter. Et si ces personnes estiment que tu peux leur apporter quelque chose, là effectivement tu pourras leur proposer une formation beaucoup plus complète, cette fois-ci payant sur système.io directement. Mais effectivement, il faudra vraiment un produit de qualité. Vraiment, si tu vends un produit, une formation, il faut que ça ait marché pour toi, d'accord? Il faut que ça marche pour toi. Ne vends pas quelque chose qui n'a pas fonctionné pour toi. Ton business ne va pas durer dans le temps, d'accord? Donc là, tu enregistres, tu sors, et tu vois là, tu as déjà ton tunnel de vente. Quand la personne va s'inscrire à ton mail, ici, elle va tomber sur la page de remerciement. Tu vois, la page de remerciement, tu peux la regarder, tu peux choisir. Si c'est celle-là, bah, elle va tomber dessus directement, tu vois. Et ça, tu peux tout modifier. Au lieu de mettre rejoindre le groupe Facebook, tu peux mettre rejoignez-moi sur mon site internet ou autre. Tu peux vraiment tout modifier. Donc tu vois, ça c'est juste pour te montrer que là déjà on a un tunnel de vente. Et si tu veux, tu peux rajouter une page entre-temps, une page qui va avoir plus d'explications. Tu cliques sur ajouter une page. Ici, tu as différents
différentes possibilités. Tu peux créer une page, une autre page de remerciement, tu peux créer une page de vente, tu vois. Quand tu feras une formation, tu crées une page de vente ici. Donc là, je mets XXX par exemple. Tu crées une page de vente, d'accord? Ici, tu as la page de vente, tu as les pages de vente qui sont déjà pré-mâchées. Tout est pré-mâché, tu vois. C'est vraiment excellent. Donc là, par exemple, tu sélectionnes ça et ça, tu vas tout modifier, tu vois. Ça, tu vas le modifier. Ça, tu vas le modifier. Tu vas le modifier. Tu vas modifier tout le texte, etc. Tu vas le mettre par rapport à ton produit. Tu vois, tout est pré-mâché. C'est vraiment, tout est fait pour que tu puisses réussir dans ce domaine-là. C'est vraiment un outil extrêmement complet. Donc ça, c'était pour la partie tunnel de vente. Tu vois que ça va juste amener ton prospect à entrer son adresse mail. Toi, tu vas pouvoir l'avoir dans ta base de données. Et une fois qu'il va être dans ta base de données, tu pourras effectivement recontacter cette personne plus tard pour lui proposer tel ou tel autre produit ou formation qui va correspondre à ses besoins. Si ça intéresse cette personne-là, elle va souscrire à ton produit. Si ça ne l'intéresse pas, elle va se désinscrire ou alors elle va rien faire du tout. Mais en tout cas, tu vas vraiment proposer quelque chose de valeur qui peut apporter un gros plus pour la vie de cette personne-là. Donc c'est pour ça que c'est très puissant. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera vraiment pour plus tard, mais tu as différents onglets ici, c'est pour ça que je te dis que c'est un outil très complet. Règles d'automatisation, par exemple. Donc effectivement, donc là, c'est pas accessible parce que j'ai rien complété du tout encore, hein. J'ai pas sélectionné de template, ici tu vois, j'ai pas sélectionné encore. Donc règles d'automatisation, bon, je vais te montrer quand même, si tu sélectionnes un template au hasard, règles d'automatisation, par exemple, c'est pour ajouter une règle. C'est que si, par exemple, la personne... achète quelque chose ou clique sur la page de vente, qu'est-ce qui va se passer? On va ajouter une action. On va par exemple ajouter un tag. Donc si la personne s'est inscrite sur le lien que tu as mis dans la page de vente, tu peux ajouter un tag par exemple. Donc là j'ai juste créé un tag. Je ne sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, j'ai créé ebook. Il va falloir créer un deuxième tag en mettant par exemple client, d'accord? Client du programme dressage de chien par exemple. Et donc là tu auras un tag client du programme dressage de chien, tu l'ajoutes et donc si la personne achète via ton lien, ça ira directement dans le tag dressage client du programme dressage de chien. Donc plus tard, si tu voudras envoyer des mails ou communiquer avec les personnes qui ont acheté chez toi déjà, tu pourras directement sélectionner sur le tag. Donc ça, c'est extrêmement utile. Après, tu as les tests AB. Donc là, tu peux choisir une variante. C'est pour tester si deux pages de vente, si une page de vente par exemple parmi deux. Il y en a une qui fonctionne mieux, par exemple. Tu as les statistiques, hein, le nombre de visites donc, sur la page et le nombre d'inscrits. Donc, tu as le taux de conversion, etc. Donc, ça, je te laisserai regarder. Tu as les ventes. Donc, si tu arrives à faire une vente, c'est ce que je te souhaite. Et tu as d'autres paramètres, etc. Donc, ça nous intéresse moins ici. Donc, ça, c'était pour la partie tunnel de vente. Ensuite, tu as les emails. Donc, dans la partie email, tu as la possibilité de créer des newsletters. Donc, c'est un mail que tu vas envoyer de manière ponctuelle. Tu crées une newsletter par exemple, tu vois le titre, une newsletter par exemple, donc là le titre, le nom de l'expéditeur, donc tu vas mettre ton nom et tu vas choisir, tu vois, il y a des mails qui sont pré-rédigés déjà, enfin je parle en tout cas de la mise en forme et tu vas modifier tout le texte, etc. etc. Donc c'est vraiment super bien fait. Newsletter, c'est pour les mails, on va dire ponctuels, et les campagnes, c'est pour les séries automatiques. Donc par exemple, moi, je propose à toutes les personnes de ma communauté sur YouTube, par exemple, de cliquer sur un lien qui va leur offrir une série de trois vidéos à haute valeur ajoutée dans le trading. Et c'est vraiment des vidéos voilà, qui ont quand même beaucoup de valeur ajoutée et qui permettent d'avoir des bases solides, en tout cas en termes de money management. Ça t'apprend comment gérer une position pour ne pas perdre plus que ce que tu as décidé. Donc, ça te permet de créer une série d'emails qui sera envoyée automatiquement. Donc moi, j'ai créé une série de trois vidéos et j'ai paramétré pour que chaque vidéo soit envoyée à J plus 1. Donc le jour J où tu t'inscris, tu reçois la première vidéo. Ensuite, demain à la même heure, tu reçois la deuxième vidéo de manière automatique. Et le lendemain, donc le surlendemain, tu reçois la troisième vidéo de manière automatique à la même heure. Donc tu vois, donc là on peut mettre test par exemple pour que tu puisses regarder. Et donc là, tu as déjà le nom d'une campagne. Tu vas rentrer dans la campagne. Donc là, tu vas créer une étape. Donc là, tu mets le nom de l'expéditeur. Donc tu vas mettre ton nom. Tu mets le sujet et tu crées un mail. Donc à chaque fois que tu auras créé ici une première étape, tu pourras créer une deuxième étape. Et la deuxième étape, tu pourras choisir quand est-ce que tu envoies le deuxième mail. Si c'est un jour après l'envoi du premier mail, si c'est immédiatement après, si c'est 5 heures après, c'est toi qui vas décider de ça. Donc tu as énormément de flexibilité.
Et c'est ça la différence entre newsletter et campagne. Newsletter, c'est un mail ponctuel que tu vas choisir d'envoyer toi-même. Et campagne, ça va être une série de vidéos, de mails en fait, hein, qui sera envoyée automatiquement une fois que la personne se sera inscrite sur cette liste de mails, tout simplement. Ensuite, tu as les statistiques des emails. Donc, tu as le nombre de mails envoyés, pourcentage moyen d'ouverture, etc. Donc, c'est très complet. Ça te permet de faire ton analyse. Ensuite, tu as blog. Donc, tu as la possibilité de créer un blog directement sur system.io. Donc, soit tu le fais sur WordPress, soit tu le crées directement sur system.io. Moi, personnellement, le blog, je l'ai créé sur WordPress. Donc, si toi, tu souhaites faire également ici, c'est possible. Sinon, tu as WordPress qui est aussi très, très utilisé. Moi, system.io, je l'utilise surtout pour développer ma base de contacts, proposer des formations directement et pour l'affiliation, dont je t'ai parlé tout au début. Pour l'affiliation, donc vraiment rien qu'avec ça, tu peux avoir des revenus passifs. Donc, si toi aujourd'hui tu n'as pas d'autres sources de revenus que ton salaire, par exemple, bah, je te conseille au plus haut point déjà de t'inscrire sur cette plateforme pour cette raison-là. Automatisation, donc tu as des règles d'automatisation et les ventes, donc tu as les différents produits, les produits que je propose, donc tu peux créer tout simplement, tu mets le nom du produit. Ici, tu as des bons de réduction si tu souhaites créer des bons de réduction, des commandes, les transactions. Abonnement, facture, affilié, donc là mes formations par exemple. Donc si tu veux créer une formation en ligne, tu mets le nom de la formation, etc. 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 Tu rentres tout ça et tu fais enregistrer. Une fois que tu auras fait enregistrer, tu auras la possibilité de télécharger directement les vidéos de formation que tu auras créées, soit les vidéos de formation, soit les PDF de formation ou autre. Ça te permet de créer des formations et de vendre ici. Ensuite, tu auras la liste de tous tes élèves et le programme d'affiliation. Donc, programme d'affiliation, en fait, c'est toi, par exemple, si tu crées une formation sur le dressage de chiens ou un autre domaine où tu es compétent, où tu as une expertise, quand je dis expertise, c'est pas forcément voilà, avoir 20 ans de métier dans ce domaine-là. Mais si toi, par exemple, tu es un accro, par exemple, de tennis ou d'un sport en particulier, tu peux tout à fait faire des vidéos qui vont apprendre à d'autres personnes débutantes de faire la même chose. Par exemple, si tu fais du karaté, bah, tu vas apprendre à des personnes comment obtenir la ceinture noire. Donc toi tu connais les étapes qu'il faut franchir, les choses qu'il faut apprendre, les katas ou autres. Donc tu vas apprendre à ces personnes-là comment obtenir la ceinture noire, par exemple. Et donc tu as différents domaines comme ça, le sport, le dressage de chien, différents domaines dans lesquels tu peux apprendre quelque chose à des débutants. Tu peux créer ça, donc filmer et créer donc dans une forme de formation, l'ajouter ici directement et tu peux le proposer à la vente en développant ta liste de contacts à des personnes qui seront intéressées dans ce domaine-là. Après, on rentre plus dans des considérations de marketing, mais c'est juste pour te dire que cet outil-là, System.io, te permet de tout faire. Tu peux collecter des mails, donc tu peux créer des tunnels de vente, tu peux envoyer des mails automatiques, tu peux tout faire en fait avec cet outil-là. D'accord? Moi, j'utilise que cet outil-là pour gérer mon business en ligne. Et vraiment, ça marche extrêmement bien. Il ne me manque rien en fait dessus, tu vois. Il ne me manque rien. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de directement cliquer sur le lien en description, hein. C'est un lien qui va te rediriger directement pour t'inscrire et tester gratuitement cette plateforme. C'est un lien qui est affilié. Donc voilà, si tu le fais, ça me rendrait grand service. Toi, ça ne te coûte rien du tout. Et en faisant ça, tu soutiens la chaîne, tout simplement. Trouve-toi un domaine de compétences, voilà, prends-toi 30 minutes, 1 heure pour vraiment réfléchir sur tes intérêts principaux, tes passions, sur des domaines sur lesquels tu pourrais développer, apprendre des choses en fait à des débutants et commence à créer ta formation directement sur la plateforme. Tu vas voir quand tu vas commencer à générer des chiffres, tu vas vraiment comprendre la puissance de cet outil-là qui est utilisé par énormément de personnes et déjà toutes les personnes à qui je l'ai recommandé, j'ai que des retours très positifs. Et ah oui, chose très très importante, le service client est vraiment au top, d'accord? Dans aide par exemple ici, tu as par exemple donc des pages d'aide très très complètes, donc la FAQ, tu as tout ce qu'il te faut. Tu peux apprendre des choses également ici, donc on t'apprend comment à utiliser system.io, donc on te lâche pas dans la nature, tu cliques ici, tu auras toutes les explications. Et surtout le formulaire de contact, c'est ça m'a vraiment marqué, c'est la réactivité de l'équipe de System.io. Parfois, j'envoie un message, donc j'ai un problème ou autre, j'envoie un mail et sans mentir, hein, sans mentir, 10 minutes après, j'ai une réponse. Est-ce que tu connais un service client comme ça qui va te répondre en 10 minutes? C'est impossible. Et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois. En moyenne, sur tous les messages que j'ai envoyés, j'ai dû attendre 15, 20 minutes, 30 minutes, tu vois, maximum. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est vraiment la réactivité de l'équipe.
Si tu as un souci, tu sais que tu auras une réponse extrêmement rapidement. Et ça, c'est très très important quand tu commences à utiliser cette plateforme-là. Et surtout quand tu as besoin d'avoir des réponses rapides pour gérer ton business en ligne. Ici, tu as la partie témoignage. Donc, il y a plein de personnes qui témoignent. Hein, donc là, tu as à chaque fois des posts qui ont été faits. Mais vraiment, c'est un outil extrêmement puissant. Donc là, tu vois la liste des témoignages. C'est long comme le bras. Et pas comme autre chose, bien sûr, n'aie pas l'esprit tordu. Donc, je t'invite à utiliser cet outil dès que possible. N'oublie pas de liker la vidéo pour me soutenir, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te souhaite plein de succès dans ton business. Ciao!